C'est clair, ils ont attaqué des bars un vendredi soir, une salle de concert, le Stade de France. Donc c'est à chaque fois des lieux où les gens étaient en train de prendre du plaisir, soit à regarder un match, soit à boire un coup, soit à écouter de la musique. Donc c'est clairement un mode de vie qu'ils ont attaqué, un plaisir de vivre, un peu de ce qui nous paraît être des moments de bonheur, des moments simples de nos vies de parisiens, peut-être un peu privilégiés au regard du monde, mais tout à fait légitimes. C'est un quartier encore populaire, même si c'est un peu boboisé, on va dire. Et je pense que c'est un quartier qui symbolise aussi un peu, pour le coup, une certaine forme de réussite, un peu de mixité sociale, on va dire. Et c'est sans doute peut-être quelque chose qui devait les déranger. Il y a quand même quelque chose qui nous réunit là-dedans, c'est ben, effectivement cette injustice, cette incompréhension, cette violence, cette brutalité pour laquelle tout le monde a du dégoût et qui nous choque tous et donc qui nous réunit, qui nous unit et qui nous mobilise ensemble. On a perdu un ami dans un café, la sœur de mon manager a échappé de peu à l'attentat au Carillon. Ça nous soude encore plus. On a envie de s'aimer encore plus, on a envie de se le dire et on a envie de encore plus d'être ensemble. Donc non, j'ai l'impression qu'ils, pour ça en tout cas, ils ont clairement raté leur coup.